Hey yop tout le monde, c'est Grips. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui c'est l'explication de sa solution de la quête de Cook et Stone. Donc on est à la cuisine de Ragni pour tout simplement une nouvelle quête de la gameplay update. Car il faut un peu update justement ces vidéos, ces petits tutos de quête de bas level, notamment celui-ci qui date d'avant Gavel. Bref, on va parler au cuisinier, on va voir un peu les changements de la quête. Je peux pas croire ce qui m'arrive. Le roi m'a ordonné de faire des gâteaux pour toutes les nouvelles recrues. Malheureusement, je n'ai pas les ingrédients pour les faire et personne n'en vend dans le fort. Est-ce que tu pourrais me ramener 2 œufs, un seau de lait et 3 de blé très rapidement? Ok, donc on va y aller tout de suite. Donc a priori, pour l'instant, rien n'a changé dans la quête. Et puis, on va voir comment on récolte tout ça. Donc on va partir du centre de Ragni pour aller voir tout ça. Donc tout d'abord, on va prendre un peu de blé sur le côté de Ragni vers la sortie nord. Donc du coup, il nous faut combien de blé déjà? Je crois qu'il nous en faut 3 de blé, il me semble. Je me souviens plus trop. 3 de blé, c'est ça, 2 œufs et 1 de lait. Enfin, 2 œufs et 1 seau de lait. Donc alors, si j'ai bien suivi les changements, en fait, les changements au niveau de la quête, c'est dans le Katoa Range. Donc en face du donjon Silverfish qui est maintenant, c'est Decrepit Sewer, si je me trompe pas. Donc je crois que maintenant on peut trouver des œufs à l'intérieur également. Si je dis pas la merde. En tout cas, il y aura au moins les seaux de lait. On va voir un peu ce qui a changé. Pour l'instant, pas grand chose. Il y a le lait ici. Est-ce que si on tue le poulet, on peut avoir des œufs? Je sais pas, vous n'avez absolument rien vu. Est-ce que si on vous tue, on a des trucs? Ah voilà, on a des œufs en tuant les poules du Cato Orange. Voilà, c'est tous les changements de cette quête. Maintenant, si vous connaissez l'ancienne, voilà, c'est terminé, vous pouvez partir de cette vidéo. Non mais vraiment, c'est incroyable ces changements. En tout cas, il nous en faut que deux normalement. Et on va aller donner tout ça au cuisinier dans Ragni, au même endroit, pour finir la quête. Hop, voilà tous tes ingrédients, je vais pouvoir te faire des gâteaux. Bien, génial, tu as tous les ingrédients, je ne peux pas te remercier assez. Tiens, prends ceci. Prends ces émeraudes pour tout le dérangement. Et j'ai aussi ces étranges potions, je n'en ai aucune utilité. Mais je suis sûr que tu en auras. Et on a des magnifiques mana potions qui pourront nous donner un peu plus de régénération de mana pendant 4 secondes. Ce qui peut être pratique en tant que mage, notamment pour moi. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, il ne reste plus que vous dire salut à tous.